réaliser en fait mon empile qui va servir à venir sur ce leurre-là. Donc un ChatGT de la lande 13 cm en bleu. Donc c'est assez basique. Donc je suis plombé là par exemple pour info en 15 grammes. Donc en fait je vais venir placer une empile que j'avais précédemment montée déjà. Enfin une empile non. Un hameçon avec un émerillon que je veux venir incruster ici. Donc je vais déjà le rentrer en fait simplement pour avoir la taille directe qu'il me faut. Voilà. Donc je veux le monter en fait comme ceci. Et pour ce, eh ben je vais avoir besoin donc de ma forteresse. En fait, je vais faire simplement une boucle avec la forteresse. Je vais venir en fait mettre le sleeve pour le faire. Je vais faire en fait rentrer la boucle de forteresse dans le sleeve, simplement. Je vais ouvrir mon anneau brisé. Alors j'ai pas ma pince, alors ça va être un peu chiant. Malheureusement, j'ai oublié à la maison. Et honnêtement, depuis que je l'ai, je ne m'en passe plus. Donc de là, en fait, mon anneau brisé est passé dans la boucle. Et je vais venir avec donc le sleeve quasiment contre l'anneau brisé. De là, je vais venir juste épaissir le bout. Je vais venir juste couper les dernières mailles métalliques qui restent. Et donc à partir de là, je vais venir juste serrer, enfin resserrer en fait le sleeve. Voilà, donc en fait là je vais venir en fait sur la butée du sleeve de la forteresse et de là en fait j'arrive quasiment contre mon anneau brisé. De là en fait donc la pince se compose en fait c'est une pince plate avec des demi-sphères séparées avec dedans d'écran simplement. Donc on va venir mettre le sleeve donc simplement dans une demi-sphère suivant la taille et on va venir presser donc l'écran contre la demi-sphère creusée. Voilà, à une main ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et donc une fois qu'on a pincé une fois, on va venir pincer de l'autre sens pour que les deux côtés soient crantés et soient on va dire sertis. Voilà. Donc à partir de là, le premier sleeve est fait. Donc je vais pouvoir remettre mon anneau brisé parfaitement. Et de là, je vais laisser quand même un peu de jeu. Je sais qu'il va falloir que je mette donc mon empile qui va venir ici. Donc je vais couper au préalable quitte à perdre un petit peu de forteresse. Je vais venir faire déjà passer mon deuxième sleeve. On l'élargit pour pouvoir le travailler quand même. Et voilà. Donc à partir de là, j'aurai mon empile qui va venir se passer par-dessus la tête. La base de la tête plombée. Et de là, je vais simplement en fait tendre la forteresse. Voilà, pour qu'elle soit tendue au maximum. Je vais venir rapprocher mon sleeve au maximum de la tête. Je le retends encore un peu. Voilà, sans déformer, qu'il ait bien sa souplesse. Voilà. Et à partir de là, je vais sortir délicatement mon sleeve de façon à le coller au maximum
en fait de l'anneau de la tête plombée, de façon à ce qu'il s'enlève en fait quasiment jamais. Voilà. Alors de là c'est fait et je vais refaire les choses un peu différemment. C'est que du coup je vais simplement pincer le sleeve une fois. Une fois que c'est fait, je passe à la deuxième fois. Voilà. Et une fois que c'est fait, je vais venir couper l'excédent donc de forteresse. Donc pas à ras par contre. Essayez de prendre un petit jeu quand même. Allez, 3-4 mm. De là bien séparer en fait les deux. Et je vais venir juste chauffer légèrement. Voilà. Donc ça c'est fait. Et de là en fait, même en pile, va venir simplement se glisser sur ma tête plombée. De là, j'ai un montage qui est propre parce que je n'ai aucun en fait, je n'ai aucun surplus. Certes, j'ai un peu plus de ferraille, mais ceci dit, la nage, je pense qu'il y a une incidence quand il y a des fils qui sortent ou quoi que ce soit. Et bah, c'est beaucoup plus propre, quoi, simplement. Après, voilà, c'est mes premiers sleeves, donc soyez indulgents, mais c'est vrai que le problème, c'est que je trouvais jamais en fait quel sleeve simplement fallait-il pour de la forteresse de 0,50 ou 0,40 ou voilà. Donc j'étais un peu embêté, et c'est vrai que j'ai fait plusieurs essais avant, donc j'ai des sleeves en rab. Mais vous pouvez prendre donc des Quantum par exemple 1,20 mm en simple pour la tresse de 0,50, ça va très bien. Donc voilà, en espérant que les montages vont bien tenir, et puis en vous souhaitant la prochaine, allez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la page. Je suis sur Facebook dorénavant, sur Pêche Carnat, donc n'hésitez pas à m'ajouter, et puis bah, à la prochaine. Allez, ciao ciao!